es dans une région, sois heureux. Tu dois être heureux. A dit qu'on n'exalte pas notre fonction, on n'exalte pas notre position. C'est comme si nous étions les derniers des hommes. Comme ça n'a pas réussi à l'école, on n'a pas réussi à tel concours, on n'a pas réussi ici, c'est pourquoi je suis missionnaire. Non, non, non. Cette pensée doit changer en toi. Tu es un missionnaire, un ministre compétent à part entière. Tu n'as pas raté, tu n'as pas raté. Mais au contraire, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Disons merci au Seigneur parce qu'il a fait de nous des missionnaires nationaux. Ensemble, bénissons le Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Toi qui t'as plu de choisir parmi les ethnies, les Baoulés, pour faire d'eux des missionnaires nationaux en Côte d'Ivoire. À toi la gloire, la magnificence et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Père, je te rends toute la gloire. Oh Seigneur, merci pour le peuple attier, Seigneur. Seigneur, que tu as choisi pour être des missionnaux, pour être des missionnaires nationaux. Je te bénis, je te rends toute la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce et ce grand privilège que tu as accordé au peuple Yakuba. Seigneur, de faire partie des missionnaires nationaux, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ton choix qui s'est porté, Seigneur, sur le peuple Abron et Kouango, Seigneur. Tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Tu nous as choisis pour être parmi les missionnaires nationaux, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur notre Dieu. Nous qui étions des adorateurs, des idoles, il t'a plu de nous choisir et de faire de nous des missionnaires. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon âme t'est bénie, mon âme t'élève. Mais c'est que ton choix est porté sur les lobbies et tes affaires, les lobbies aussi, les missionnaires nationaux. Mais c'est que nous sommes comptés parmi ces missionnaires. Père, mon âme t'est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Père, je veux te dire merci et être infiniment reconnaissant de ce que tu as choisi les Haïtiens pour faire d'eux des missionnaires nationaux. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci beaucoup. Parce que Seigneur, c'est toi qui ne fais pas acception de personne. Merci parce que Seigneur, tu as porté tes regards sur le peuple Djimini et tu as permis, Seigneur notre Dieu, que les Djimini aussi, oh notre Dieu, fassent partie des missionnaires nationaux. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Comportons-nous comme des frères qui savent qu'ils ont eu le privilège d'être recrutés pour être missionnaires. Je vous ai dit, ce n'est pas une petite affaire d'être recruté comme missionnaire. Alléluia. Pas de scandale. Mais s'il arrivait qu'un frère pose un acte qui t'a blessé, pardonne. S'il arrive qu'un frère place un mot déplacé, tu pardonnes. Ne dis pas qu'on va aller régler nos comptes. Non. On n'a aucun règlement à faire. Si tu as la grâce de prendre la parole, on te donne la parole. Dès que tu as la parole, tu es devant une assemblée solennelle. Parle avec respect. Parle en tenant compte de ceux qui sont devant toi. Tu sais que ce sont des ministres compétents de la Nouvelle Alliance. Ce sont tes collègues ministres. Ne parle pas dans la gorge. Parle avec respect. Quand on te donne la parole, ça veut dire que tout le monde t'écoute. Et frère, quand les autres parlent, il faut les écouter. Il y a des gens, quand les autres parlent, ils ne les écoutent pas. Quand lui parle, il dit, écoutez-moi. Bon, quand les autres parlaient là, est-ce que toi tu les écoutais? Donc pendant cette rencontre, je voudrais vous supplier, faisons tout pour ne pas qu'il y ait des scandales. Ça c'est notre sommet, ça c'est notre réunion de l'ONU là. Les grands où ils vont, les présidents vont là, c'est pour nous là, c'est ça là. En dehors de si, on n'a pas autre rencontre encore. Alléluia. Qui est destinée uniquement aux nationaux, aux missionnaires là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est notre rencontre. Donc donne un éclat à cette rencontre. Fais de sorte que quand les gens même te voient, ils ont envie de devenir missionnaires.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Donc, nous allons prier. Une personne ici, une personne ici, une personne là-bas va se tenir debout pour recommander l'enseignement au Seigneur. Le ministre de la parole est déjà là. Peut-être que vous ne savez pas. Donc, permettez-moi de saluer le pasteur Meunier en votre nom. Comme ça, vous saurez qu'il est là. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de joie, Jésus de Nazareth, le roi des missionnaires. Avec des cris de restauration, Jésus-Christ. Même si tu étais fatigué, tu es déjà fort. Amen. Dis bonne année à ton frère sans le toucher. Je n'ai pas dit d'embrasser, j'ai dit bonne année seulement. Parce que si on se met à se déplacer, ça peut prendre 2 heures. Maintenant, tu peux t'asseoir joyeusement. 5e retraite des missionnaires nationaux de Côte d'Ivoire. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'avoir notre bien-aimé, notre leader, le pasteur Meunier Boniface avec nous. Merci notre Dieu de le oindre, de l'équiper pour nous instruire, pour nous enseigner. Nous te recommandons ce moment d'enseignement. Conduis-nous dès maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère bien-aimé, l'œuvre avance. Amen. Notre ministère fait des progrès dans le monde. Et il fait des progrès dans la nation ivoirienne. Dieu nous a donné cette nation. Nous devons conquérir, gagner les âmes et les bâtir. Ce que nous appelons notre vision. Gagner les âmes, les bâtir en Jésus et pour Jésus. Rien ne doit se faire hors de Jésus, c'est-à-dire sans Jésus. Rien. Et nous allons nous saisir main dans les mains pour faire ce travail que Dieu nous a donné. S'il faut intervenir pour déloger Satan quelque part, nous allons le faire ensemble. Amen. Que le Seigneur te donne un cœur bien disposé, qui te donne l'esprit de révélation. Les choses que nous allons voir sont pratiquement les mêmes choses que nous avons déjà vues. Mais l'apôtre Pierre disait qu'il ne cesse de répéter les mêmes choses. Et il disait, pour vous, cela est salutaire. Quand on a une vérité, tout ce qu'on a à faire, c'est la réviser, la réviser, la réviser. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas qu'il est là, aujourd'hui il dit telle chose, après il change, il dit non, je me suis trompé. Puisque c'est le même salut pour tous les hommes, promis par le même Dieu, le seul et même Dieu, il n'est donc pas surprenant que nous ayons devant nous une seule voix, un seul message, une seule vérité,
que nous sommes appelés à répéter, à réviser, à répéter, à réviser. Et cela est bon pour nous, parce que Dieu nous demande d'être pauvres d'esprit, de ne pas paraître sages devant lui. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons réviser trois facteurs de croissance. Premièrement, la formation des disciples. Deuxièmement, la prophétie de Santa Cruz. Troisièmement, le message de Berthold. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette manière de faire est aussi pour nous l'art ou alors la sagesse de demeurer dans l'enseignement de notre Père. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et si nous demeurons dans cet enseignement, nous sommes des fils et nous serons prospères. Les choses vont marcher. Nous avons effectué beaucoup de voyages. Nous étions au Cameroun. Nous avons rendu ministère aux missionnaires nationaux de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il y avait le Tchad, la Centrafrique, il y avait le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, il y avait le Cameroun, il y avait la Côte d'Ivoire comme ministre pour rendre ministère. Les autres, ils étaient dans leur sous-région. Est-ce que j'ai mentionné le Tchad? Voilà. Là-bas, le Seigneur nous a puissamment rendu ministère. Vous savez que l'enseignement sur le brisement des liens n'avait pas été compris par révélation par plusieurs personnes. Les gens avaient entendu. On avait entendu parler, certains s'efforçaient de le pratiquer, mais ils le faisaient sans révélation. Donc, arrivé là-bas à Idea, après les premiers exposés, les gens ont commencé à se repentir, publiquement disant, frère Boniface, pardonne-nous. Parce que on n'avait pas compris. Mais c'était des gens au cœur vraiment humbles, sincères, comme des petits-enfants. Certains pratiquaient déjà le ministère, mais pendant qu'ils pratiquaient, ils n'étaient pas compris. Et il y avait parfois de l'opposition même. Il y a un témoignage. Un frère dit que quand il m'a vu, comme il était au fond de la salle, il dit que quand il est au fond de la salle, je suis comme un petit garçon. Donc, on appelle ça en anglais « the guy », c'est-à-dire ce garçon-là. Il ne savait pas que c'était un papa de plus de 60 ans. Donc, il dit que voilà, le gars-là vient chercher son argent. Qu'il n'y a pas de démon, que lui, il est déjà en Christ, il n'y a pas de brisement de lien à faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je donne donc l'enseignement, on donne les exemples. On a pris quelqu'un, on a simulé le brisement des liens sur lui. On a donc fait des groupes, on dit allez-y travailler. Le monsieur qui disait que regarde-moi ce gars-là, arrivé dans son équipe, on fait son brisement des liens. Dès qu'on a parlé de son oncle, je pense que c'est l'oncle ou la tante, bam, sa tête tourne déjà.
tout son corps. Le frère juge le démon, chasse le démon. Il est délivré. On dit, cette personne, c'est qui? Il dit que non, on discutait l'héritage. Et j'avais pris. Et il m'avait dit, tu verras. Il dit, frère Bolifa, pardonne-moi, je viens d'être délivré. Authentiquement. Alléluia. Il y avait un autre groupe là. Il priait pour une jeune fille. La petite tombe. Elle commence à pleurer. Il commande au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après, ils viennent vers moi pour poser les questions. Je dis non, 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 ça c'est votre dossier, allez traiter. Donc, ils sont repartis. Ils ont prié. La petite est délivrée. Elle dit que sa grand-mère est sortie d'elle. Dans la salle, elle est sortie d'elle pendant qu'il priait. C'est pour cette raison qu'elle était tombée. Et elle lui demandait de partir avec elle. Après, comme les frères ne faisaient que prier, elle a dit, d'abord, tu as détruit ma puissance, je m'en vais. Elle avait commencé par lui dire, pourquoi tu m'as amené ici? Voilà. Là, ce n'est pas le frère Boniface, c'est-à-dire les étudiants, ceux qui viennent d'apprendre le brisement des liens, sont en train de vivre des miracles authentiques. Et certains qui doutent même que l'esprit humain habite un corps, là, Dieu a produit des preuves. Par le peuple lui-même, à travers le peuple lui-même. Donc c'est pour vous dire que Dieu soutient notre œuvre, notre contribution. Parce que ce que nous faisons ici est une contribution à l'œuvre mondiale. Parce que nous ne sommes pas les seuls. Chaque nation a des disciples. Et tous les disciples sont appelés à poursuivre le même but. Nous devons présenter au Seigneur 1 milliard de disciples qui lui rendent une soumission et une obéissance radicale, totale, d'ici 2065. Chaque nation poursuit ça. Et les dons qui sont distribués sont au service de tout le corps pour l'utilité commune, comme cela est écrit dans la Bible. Nous perdons quand nous n'arrivons pas à faire de nos dons des bénédictions communes. Si nos dons ne deviennent pas utiles pour l'utilité commune, nous avons raté. Nous perdons le temps, nous perdons la force, nous perdons l'énergie, nous perdons le temps. Si je dois contribuer aujourd'hui pour ton bien et tu passes le temps à douter, à discuter et après j'ai vieilli, je deviens un vieillard de 95 ans. Après tu viens me dire, frère Boniface, brise mes liens. Vraiment. Toi-même qui avais, toi-même tu as 80, peut-être que toi-même tu as 80. Et tu veux qu'on brise tes liens à ce moment-là. Tu as perdu. C'est-à-dire que tu as vécu sans gloire. Et tu vas au ciel comme arraché du feu. C'est fini. Nous avons gagné une dame dans cette ville. Elle a passé le temps à pleurer. Pourquoi? Elle était âgée de 32 ans, par là. Quand elle vivait des phénomènes inexplicables, des couches de nuit, des apparitions dans la maison, parfois son père vient se présenter devant elle nue, elle dit au pasteur, les pasteurs ne comprenaient même pas ce qui lui arrivait. Elle a lutté avec les démons, lutté avec les démons. Elle a eu des fibromes. Elle a eu des maladies, finalement, on a enlevé l'utérus. Elle est restée célibataire. Finalement, elle rencontre l'évangile authentique à 52 ans. Elle avait déjà atteint la ménopause. Elle pleurait en disant que même si on me délivre maintenant,
qu'est-ce que je peux espérer? Il me fallait ça quand j'avais 32 ans. C'est pour cette raison que quand on dit de racheter le temps, c'est une grande doctrine. C'est-à-dire que ne fais pas de telle sorte que la bénédiction de cette année soit reculée. Ne va pas l'attendre dans 10 ans, tu as perdu. Tu as perdu. Ne vis pas comme si tu ne vieillis pas physiquement. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des choses que tu dois accomplir avec la vigueur que tu as aujourd'hui. Ne perds pas le temps. Et ne permettons pas que quelqu'un nous perde le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois planifier ta vie, mettre les choses essentielles pendant l'âge, pendant ton âge de la vigueur, quand tu peux faire une veillée sans que ta tension monte à 22. C'est-à-dire que tu es fort. Fais maintenant. Certains parlaient de 2065 comme s'ils étaient encore des jeunes gens. Moi, je ne planifie plus mon but à 2065. Je dois finir avant 2065. Parce que 2065, si tu calcules, ça fait, je crois, 105 ans. Essayez de calculer. Donc, si l'on me parle de 65, moi aussi je parle de 65, c'est que je ne vois rien. Je n'ai pas compris. Et puis, dès que je planifie jusqu'à un certain âge, le reste, je planifie des gens. C'est-à-dire, je mets des gens à ma place. Je prophétise. Je dis que celui-ci, c'est moi-même en 10 ans. Celui-ci, c'est moi dans 15 ans. Celui-ci, c'est moi dans 25 ans. Là, tu prolonges ton œuvre. C'est ça qu'on fait la formation des disciples avec. Tu ne fais pas des disciples, ta vie est déjà très courte même. Ton œuvre est limitée. Elle n'ira pas loin. Si tu n'es pas là, c'est fini. Ça s'arrête. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Jacques est toujours en train de poursuivre la conquête. Pourquoi? Il a bâti les gens. Et il n'a pas attendu la vieillesse. Il bâtissait avec violence. Il était jeune, fort. Il a bâti les gens. Donc, s'il était même vivant, vous le prenez, vous jetez en prison, l'œuvre continue. Vous le prenez même, vous lapidez, l'œuvre continue. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu ne fais pas de disciples, tu es petit et tu es limité. Vous notez ceci. La prédication de l'évangile est le moyen par lequel on accouche les âmes pour le royaume de Dieu. Ces âmes qui sont accouchées par la puissance de la parole de vérité naissent dans la foi en étant disciples de Jésus. Ils naissent dans la foi étant disciples de Jésus. Quand un bon prédicateur, un, annonce l'évangile, quand cet évangile touche les cœurs des hommes, il les conduit à une vraie repentance. Donc, en sortant du sein spirituel, l'évangile accouche les disciples. Mais ils sont des bébés, mais Christ est déjà en eux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Le même jour, quand on reçoit Jésus, l'Esprit de Christ entre en nous. Nous devenons une nouvelle personne, née de l'Esprit. Bâtir un disciple ne veut pas dire que tu prends
un cadavre, tu commences à souffler sur lui pour qu'il se réveille. Non. Ou bien tu prends un rebelle, chaque jour tu lui demandes pardon, on va servir Dieu. Non, non, tu sais, il faut lire la Bible, hein, tu seras béni, tout ça là. Après, il te dit qu'il a lu, mais il ne sent rien. Et tu finis ta vie sur lui. Après, tu doutes même de toi-même. Tu commences à te dire que peut-être que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Pourquoi les autres réussissent, toi tu ne réussis pas. Tu dois prêcher de telle sorte que quand quelqu'un va dire oui, l'esprit entre déjà en lui. Tu ne le dorlotes pas. Tu ne le flattes pas pour augmenter les effectifs. Il faut, nous allons le voir. Il faut étudier la manière de prêcher de Jésus. Quelqu'un vient lui dire que je vais seulement dire au revoir, je reviens. Il dit non. Vous voyez? Les gens nous critiquent là, nous sommes radicaux, radicaux. On n'est même rien même. Quelqu'un qui perd son père, Jésus, il dit à Jésus, pardon, dès que je l'enterre, je reviens. Jésus dit non. Et quand il appelle les gens, il est vrai qu'il est venu lutter contre le péché. Mais son appel vise les choses qui tiennent au cœur de l'homme. Si c'est ton filet avec tes poissons, il t'attaque dessus, dit jette tout ça, tu me suis. Il y a des choses telles que quand tu les abandonnes, même le péché même n'a pas la force dans ta vie. Quelqu'un peut être là, il ne commet pas l'adultère, il ne ment pas, il ne vole pas, mais son cœur est sur sa maison ou sa voiture. Quand tu viens, quand Jésus arrive, il te dit abandonne tout ça, tu me suis. Va vendre tout ça, tu donnes l'argent aux pauvres. Alors qu'il laisse l'autre avec toutes ses maisons. Parce qu'il voit que ce n'est pas son péché. Mais toi, ça peut même être une seule petite maison. Il te dit, va. Il ne dit pas, viens me donner. Non. Il dit, va, tu vends, tu donnes. S'il y a les pauvres dans ton quartier, même dans ta famille, tu leur donnes, tu viens. Jésus ne s'intéresse même pas à ce que tu possèdes. Il ne te dit pas, garde-nous ça, on va servir Dieu avec. Et je vous dis la vérité, ne demandez rien aux âmes perdues. Rien. Ne commencez pas que cette maison peut abriter une assemblée, hein, tu as échoué. Quand tu arrives, ne vois rien. Même ce qu'il veut que tu vois là, refuse de voir. Il y a la sœur Annie, Joséphine, elle n'est pas là. Elle aime beaucoup les missionnaires. Je lui ai demandé d'être là. Un jour, quand elle a intégré l'œuvre, elle m'a parlé d'un garçon qui la poursuivait depuis les dénominations. Je lui ai dit, fais-le venir. Donc, le gars est venu. Je lui ai parlé de la vision clairement. Et il m'a répondu que lui, il est dans sa dénomination, il ne peut pas quitter. Clairement, hein. J'ai parlé clairement, lui aussi a parlé clairement. Je lui ai donc dit, ok, là, elle est là, ça c'est son dossier. Et elle a entendu ce que tu as dit. Ça dépend d'elle. Anne a dit que moi je vais aller au ciel, là sur le champ. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Elle a dit, je vais aller au ciel, là. Elle n'a pas dit, je vais aller réfléchir. Le garçon a été clair devant moi. J'ai été clair devant lui. Et Anne aussi a été claire en même temps. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme le Saint-Esprit, quand Dieu te conduit, frère, c'est merveilleux. Je suis quand même un peu, je suis poli, je ne peux pas dire que je ne suis pas poli. C'est-à-dire que je sais que quand quelqu'un vient chez toi, tu l'accompagnes, même ne serait-ce que c'est de la porte, tu lui dis au revoir. Quand nous nous sommes levés au salon, j'ai pris la direction de la chambre en disant que, okay, que Dieu vous bénisse. Le garçon dit, est-ce que tu vas quelque part? J'ai ma voiture là, voici la clé, je veux te déposer. Donc, il voulait que je voie sa voiture. Donc, il était choqué parce que j'entrais dans la chambre sans avoir vu sa richesse, sa puissance. Donc,
Il n'a pas pu se contenir. Que, est-ce que tu sors? Je peux te déposer. J'ai une voiture. Elle est garée. Là, voici la clé. Il dit non. Je suis entré dans la chambre. Ils sont partis. Alléluia. Et c'est là où Dieu ouvre mon esprit que tu vois. Anne, ils sont venus dans la voiture là. Si Anne n'a pas vu la voiture, c'est une bonne fille. Et la preuve est qu'elle est là. Acclamation. Et Anne a le fardeau de la mission. Anne peut acheter une moto, elle seule, elle donne à un missionnaire. Ce n'est pas qu'elle est riche, c'est-à-dire qu'elle aime la mission. Ça ne nous étonne pas. Quelqu'un qui, une fille qui dit à un garçon, je vais aller au ciel, dans notre génération, où les filles tremblent qu'elles veulent se marier, elle a vu la gloire de Dieu. Quand tu entres chez quelqu'un pour donner ce Jésus-là, ne regarde pas ses voitures. Ne regarde pas ses voitures. S'il t'en donne, même tu refuses. Est-ce que nous sommes ensemble? Le frère Roger m'a donné une Mercedes. J'ai dit non. Il insistait. J'ai dit bon, je vais demander au frère Zach. On est allé au Bénin. Et c'est le frère Zach qui m'a dit là-bas d'accepter. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? L'évangile qui accouche les disciples est authentique. Il te sépare de toute chose, de toute personne, de tout péché qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. Ne pensez pas que les péchés, vous savez, quand tu lis le livre Le chemin du caractère chrétien, les péchés ont des racines. Dans la vie de certaines personnes, l'adultère peut être la conséquence de l'amour de l'argent dans la vie de certaines personnes. J'ai rencontré plein de filles qui se sont, même des garçons qui se sont prostituées. Certains hommes sont devenus homosexuels. Quand tu vérifies, elles y cherchaient l'argent. Ce n'est pas que le péché était quelque chose, c'est l'argent. Et l'argent les aveugle et ils commettent toutes sortes de péchés. Une jeune fille m'a dit qu'elle a couché avec un homme laid, c'est-à-dire vilain. Elle dit que le monsieur même était conscient qu'il est vilain. Donc, il ne te demande rien. Tu es une jeune fille, parce que c'est que s'il dit que je veux t'aimer, tout ça, tu vas dire non. Donc, il utilise une autre méthode. Il te fait tellement de bien que tu te retrouves redevable. Et la jeune fille me dit, le monsieur était là, il la prend dans la voiture, il dépose au lycée, il lui donne 5000 francs, il la dépose. Et elle m'a dit, elle était tellement devenue, elle s'était rendue redevable, qu'elle lui a dit, elle s'attendait même déjà que le monsieur lui demande quelque chose pour qu'elle accepte. Elle-même, elle attendait déjà ça. Est-ce que nous sommes ensemble? L'argent. Un jour, le monsieur a donc posé un petit, c'est fini, elle a seulement accepté. Mais elle me dit, je m'étais rendu redevable. Le gars avait, il savait qu'il était laid, donc il était bon. Il compensait ça par sa libéralité. Tu peux commettre un péché parce que tu es amer, tu n'es pas content. Tu penses que ta vie est un échec. Tu voulais aller jusqu'au doctorat, tu as fait le C1, c'est fini. Et tu es amer seulement. Toute la vie, tu es amer. Dès que tu acceptes ta condition et que tu te réjouis, comme Paul dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Dès que tu acceptes, même 100 péchés peuvent disparaître de ta vie. C'est le travail là que le frère Zach a fait dans le livre Le chemin du caractère chrétien. Les péchés sont comme les grappes de figues. Quand tu as une grappe comme ça, là, il y a beaucoup de péchés suspendus dessus.
Dès que tu abandonnes le péché principal, les autres s'écroulent. Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un est derrière sa boutique, toute sa boutique est dans sa tête, dans son cœur, dans ses membres, si tu lui dis, sors de l'avant ça, tu me suis. S'il sort vivant, il n'aura plus aucune tentation. Parce que la principale source de la tentation est éliminée. Il est libre. Jésus dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la. Il dit, mieux vaut pour toi entrer avec, au ciel avec une seule main que d'entrer avec les deux mains, que de garder tes deux mains et aller dans le lac de feu. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on ne devient pas progressivement disciple. On sort, on est comme naître. On est disciple. C'est comme les êtres humains. Ils naissent étant des hommes. Il n'y a pas de produit dans les pharmacies que si n'importe quoi sort de ton ventre, tu mets ce produit dedans, ça devient un homme. Il n'y a pas ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de remède qui transforme les choses qui sortent des ventres là, des femmes, qui les transforme en être humain. On est disciple. Si nous comprenons ça, le type de travail à faire sera différent. Le fardeau, quand tu prêches, le fardeau pour amener les gens à Christ serait très grand. L'esprit de Christ prend possession de l'homme intérieur lors de la nouvelle naissance. L'esprit de Christ prend possession de l'homme intérieur lors de la nouvelle naissance. En le faisant, il le rend par là même participant de la nature divine. Dès que l'esprit prend possession, cette personne a déjà la nature de Dieu. Et c'est cette personne-là qu'on peut bâtir. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, etc., etc. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a déjà donné, là où tu es assis là, la vie de Dieu est en toi. Tout ce qu'il faut pour que tu deviennes mûr en Christ est déjà en toi. Et l'apôtre Pierre te dit, parce que Dieu l'a fait, fais tous les efforts. Dieu l'a déjà fait. Fais tous les efforts. Que personne ne nous trompe que le chrétien, Jésus est mort à la croix, on est parti au ciel, c'est fini. Tu manges, tu bois, le Saint-Esprit est là. Je vous dis, il y a l'évangile de prospérité et l'évangile de la grâce. C'est des évangiles dangereux. La Bible parle, dans l'Ancien Testament, les gens connaissaient seulement les faux prophètes. Et dans la prophétie du Nouveau Testament, la Bible dit qu'il y aura des faux docteurs. Les faux prophètes pouvaient prophétiser les fausses prophéties. Mais les faux docteurs enseignent des fausses doctrines. Et quand tu y réfléchis, ils sont plus dangereux que les faux prophètes. Quand tu lis le Nouveau Testament, le nombre de personnes qui avait été excommunié
à cause des fausses doctrines élevées. Même l'excommunication, même pour le péché, n'a pas un taux élevé. Les grands anciens, les Philètes, les Hyménées, tous ces gens-là étaient des docteurs. Ils ont commencé à enseigner la fausseté. Il y a donc quatre facteurs, ou alors quatre types d'instruments pour bâtir quelqu'un, pour faire un disciple. Il y a le témoin, ou alors le ministre est témoin de l'évangile, ou le témoin est ministre de l'évangile, c'est la même chose. Premier instrument, le ministre est témoin de l'évangile. On appelle le modèle humain, l'instrument humain. Il faut un être humain qui a vu, qui est témoin de la gloire de Jésus, qui est témoin de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, et qui se constitue modèle. C'est-à-dire, il accepte la vie que Dieu exige pour suivre Jésus. Il y a un ensemble de conditions qu'on remplit moralement pour suivre Jésus. Et même matériellement. L'autre facteur, c'est la connaissance révélationnelle de Jésus. Tu ne peux pas bâtir quelqu'un qui n'a pas reçu personnellement la connaissance révélationnelle du Fils de Dieu. Tu ne peux pas. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur certaines vérités toute la vie. Ne dis pas que j'ai déjà enseigné sur ça. Non. Enseigne toujours. Si, dès que l'Esprit te met à cœur d'enseigner les mêmes choses, tu enseignes encore. Tu peux enseigner cette année. Quelqu'un t'écoute. Il ne reçoit aucune révélation. Tu enseignes l'an prochain. Quelqu'un t'écoute. Il écoute avec le voile sur le cœur. Après, tu as cinquième année, il commence à crier que Dieu l'a visité, qu'il a vu ce que tu disais depuis. C'est ce jour-là que tu peux commencer à le bâtir. Ce jour-là, tu peux commencer à le bâtir. Quand Jésus parlait, les apôtres ne comprenaient pas. Un jour, il a parlé. Et les apôtres étaient contents. Ils disent, maintenant tu nous parles sans parabole. Maintenant nous connaissons que tu es sorti de Dieu. La Bible dit que dès ce jour-là, Jésus a commencé à aller vers Jérusalem. C'est-à-dire, ils pouvaient déjà aller, ils ont compris. Ils pouvaient déjà aller à la croix. S'ils laissaient les gens qui ne comprenaient rien, ça allait être difficile. Maintenant, nous comprenons que tu es sorti du Père. Tu ne parles plus en parabole. Alléluia. Il y a des vérités. Le jour où les gens acceptent, toi-même tu sais que c'est ce soir qu'ils ont compris. Certains viennent même te dire que j'ai compris. Si quelqu'un vient te dire que frère, quand tu as parlé là, c'est maintenant que je comprends, il faut rendre grâce à Dieu. À partir de ce jour-là, dis-lui, il faut qu'on se voit. Toute personne qui reçoit par révélation une notion, fais comme Jésus. Donne-lui une charge. Même si c'est lourd, donne-lui, il va porter. Les fleques-fleques, quelqu'un ne comprend rien. Notre problème, c'est qu'on a donné des charges aux gens qui ne comprenaient rien. La personne te dit que je n'ai même pas compris. Tu dis seulement, tu es vaillant, vas-y, Dieu avec toi. Tu secoues la personne, tu dis, vis. Jésus a attendu la révélation. Quand nous allons étudier l'exemple de Paul, quand Paul a connu Christ, il a renoncé à tout.
Parce que c'est glorieux, Christ. Quand tu connais Christ en esprit, tu es béni. Il y a même des missionnaires qui n'ont pas la révélation de la richesse d'être missionnaire. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont entrés accidentellement dans cette chose-là. Mais il y a des gens qui ont reçu la révélation de cette chose-là, de telle sorte qu'on les critique même, que vous allez où même. Quand ils disent aux gens que nous sommes des missionnaires, les gens regardent, missionnaires. Mais ils sont heureux. Certains missionnaires s'envoient des missions, ils cherchent la vie. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien compris. Et ils nous ont distraits. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous a conduits à laisser d'abord le recrutement. Il faut ramener, il faut encore prêcher. Alléluia. On s'attend à ce que certains démissionnent même. Ou que certains disent que non, nous sommes là. Nous sommes là. Ceux qui se sont trompés doivent venir nous dire que vraiment, ça, c'est plus lourd que nous. Je n'avais pas compris. Si c'est ça que ça doit coûter. D'autres vont dire, pardonnez-moi, j'ai été une charge pour rien, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Alléluia. Tu nous ramènes à être disciples et à faire des disciples. Et tu nous fais comprendre, Seigneur, qu'on est disciples. Et l'instrument humain qui prêche est très important. Parce que la prédication doit accoucher un disciple. Et le disciple doit recevoir la révélation de Jésus. Afin qu'on puisse le bâtir comme disciple. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu nous fais comprendre ce matin que nous avons donné des charges à des gens qui n'étaient pas encore disciples. Nous devons continuer à prier pour eux, à prêcher, à enseigner jusqu'à ce qu'ils reçoivent la révélation afin que nous puissions les bâtir comme disciples. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu, notre Seigneur, de nous ramener dans ce que tu nous avais dit dès le départ. Seigneur, l'exemple que tu as donné, que ce n'est pas n'importe quoi qui sort du ventre d'une femme et après, on met des produits, on donne des produits et ça devient un homme. Ça sort, c'est déjà un homme. Qu'on est étant déjà un homme. Tu as dit, on doit prêcher l'évangile de manière à ce que ceux qui donnent la vie à Jésus soient faits déjà disciples. Ils deviennent, ils naissent étant disciples. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous avons pris des gens qui ne sont pas nés disciples et nous les avons conseillés, les avons réveillés, nous les avons secoués et nous leur avons même attribué le titre de vaillants, qui sont vaillants. Et la première année, nous avons dit qu'ils sont vaillants, la deuxième année vaillants, la troisième année vaillants et ils ne deviennent jamais vaillants. Oh Seigneur, pardonne-nous pour avoir pris ce chemin. Merci de nous ramener. Je comprends que la prédication de l'évangile doit être faite avec le sérieux que toi-même tu avais quand tu prêchais l'évangile. Afin que l'accouchement, oh, se fasse comme tu as accouché les autres. Comme moi-même j'ai été accouché, Seigneur. Je prie, Seigneur, que pendant que nous sommes ici, le voile soit déchiré pour que chaque missionnaire, prêche l'évangile, qui accouche les âmes dès le premier jour, que quelqu'un dit oui à son évangile, qu'il devienne en même temps disciple, qu'il naisse disciple. Oh Père, bénis-nous avec cette capacité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu nous as dit que nous sommes à l'école de la connaissance et du service de Dieu. Comment pouvons-nous servir un Dieu que nous ne connaissons pas?
Seigneur, nous te disons merci pour ce cours que tu es en train de nous donner et qui apporte la révolution dans mon cœur. Merci de ce que tu me donnes de comprendre. Oh mon Dieu, mon roi, que celui qui n'est pas disciple, celui qui n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ, ne peut pas être bâti. Seigneur, je t'en supplie, ouvre l'entendement de chacun de nous ici, afin que nous puissions comprendre cette vérité. Pour bâtir quelqu'un, il faut que l'use, celui que nous allons bâtir, est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, aide-nous à comprendre cette vérité. Pour celui qui n'a pas encore compris, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a le Saint-Esprit. On a dit il y a la connaissance révélationnelle. Et pour que quelqu'un soit vraiment bâti, de la naissance jusqu'à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut? Un être humain comme lui qui a écouté, qui a obéi et qui lui rend témoignage et il voit la personne. On appelle ça le modèle humain. Rempli du Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, vous attendez le Saint-Esprit. Deux, il faut qu'il y ait la connaissance révélationnelle. Parce que pour devenir comme quelqu'un, il faut le connaître. Et si la connaissance n'est pas révélationnelle, il est impossible qu'on t'aide à faire comme Jésus ou à être comme Jésus. Il y a une contemplation intérieure. Quand tu es là, tu vois le Christ dans un esprit. Le psalmiste disait, chaque jour, je me rassasie de ton image. Quand tu connais Jésus, quand tu es devant une situation, quelque chose te dit, fais comme Jésus. Il n'y a personne, mais tu entends, fais comme Jésus. Et tu vois comment ta colère est désarmée. Tu connais Christ. Alléluia. Quand l'Esprit, le Sami dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte de ta part. Cherche ma face. La nuit, quelqu'un dort, son cœur, pas les anges, pas le Saint-Esprit, son cœur lui dit, cherche Dieu maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu atteins le niveau où l'exhortation t'habite, c'est-à-dire le Saint-Esprit travaille pour ouvrir ton esprit, tes yeux, les yeux du cœur, et pour ouvrir ton esprit, tu ne peux pas être le même. Et si quelqu'un est ton dirigeant, il est béni. Il est béni. Il ne te porte pas sur le dos. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Jésus qui a dit à Paul, je veux te montrer les choses pour lesquelles tu vas souffrir. Donc, ce n'est pas un homme qui effraie Paul que tu vas souffrir. Hein. Paul sait que son appel est associé à la souffrance. Donc, même quand il a les chaînes aux pieds, ça ne lui dit rien. Dieu lui a dit qu'il va souffrir. Si toi tu es là, tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, comment peut-on t'aider? Ce n'est pas possible. Et les gens que tu es parti aider, et toi-même, vous allez tomber dans la fosse. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette rencontre est historique. Notez ça, elle est prophétique. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que cette rencontre est historique et elle est prophétique. Amen. Si tu veux prier, lève-toi. Vous savez que la prière joue un rôle important dans la communion avec Dieu. Si Dieu te parle, tu ne réagis pas. Tu vas te refroidir.
Père, nous proclamons. Ne soyez pas comme des élèves. Là où nous sommes là, c'est, nous sommes mûrs. Et nous avons le discernement. Si tu restes passif, lourd, attendant la fin du message. Ah, mon ami. Père, nous proclamons que cette rencontre est prophétique. Nous nous y établissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous proclamons que cette rencontre est historique. Nous proclamons que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons besoin réellement de la révélation de ton Fils Jésus. Seigneur, fais que nous soyons réellement des disciples. Père, je plaide, ô Dieu, que tu ouvres notre esprit. Afin que tu nous visites, que le voile se déchire. Et que, Seigneur, la révélation de ton Fils Jésus soit poursuivie. Et nous proclamons, Seigneur, que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus. Amen. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Et dans ta miséricorde, tu nous fais entendre ces paroles qui communiquent la vie. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'entendre ces paroles. Nous sommes heureux de recevoir la vie que tu nous communiques à cette retraite. Merci pour ce cadeau exceptionnel. Merci pour ces paroles de vie. Merci pour ces paroles de vie. Merci pour ces paroles de vie. Et nous proclamons que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour la lumière. Merci pour la connaissance. Nous proclamons que cette parole, que cette rencontre est historique. Et nous proclamons que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, j'accepte, mon cœur accepte que cette rencontre est historique et prophétique. Et je proclame que cette rencontre est historique. Elle est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous faire réviser, Seigneur, ces choses que tu nous donnes dès le commencement. Et merci encore, Seigneur notre Dieu, de nous conduire à être établis, Seigneur notre Dieu, dans ces vérités. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que cette rencontre est historique. Je proclame qu'elle est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, nous te disons merci. Pour cette retraite des missionnaires, c'est notre Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as appelés pour nous faire du bien, pour nous instruire, Seigneur. Nous venons à peine de commencer, c'est notre Dieu, mais tu nous as parlé. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Merci pour ces paroles prophétiques. Seigneur, je proclame que cette rencontre est historique. Je proclame que cette rencontre est prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, merci infiniment de nous introduire dans de si grandes richesses. Seigneur, d'entrée de jeu. Seigneur, mon âme te bénit et mon âme te dit merci infiniment pour la pertinence de l'enseignement qui est donné maintenant. Et je reconnais que cette rencontre est prophétique, qu'elle est historique. Je proclame cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je veux te dire merci. Merci de ce que, ô Dieu, tu m'as déjà répondu. Je proclame que cette rencontre est prophétique. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour ma présence à cette rencontre. Je proclame que cette rencontre est prophétique au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous donnes ce jour. Merci, Seigneur, pour cette connaissance que tu nous donnes. Père, en tant que missionnaire, te prions. Nous avons besoin réellement de te connaître. Si nous, que tu as envoyés, nous ne te connaissons pas, Seigneur, que vont devenir les brebis? Accorde-nous cette grâce. Que notre esprit s'ouvre pour comprendre vraiment ces vérités.
que nous ayons vraiment ta révélation, Seigneur. Et que cette rencontre pour nous, qu'elle soit jamais dans ton esprit, en tant qu'une rencontre historique et prophétique pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends toute la gloire pour cette rencontre et ces vérités que tu nous donnes, Seigneur, comme notre bonne année de cette année. Éternel, je prie et je proclame que cette rencontre est prophétique au nom de Jésus-Christ. Je proclame que cette rencontre est historique au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. On va relire ce passage ensemble. Nous allons voir les traits caractéristiques de ceux qui ont apporté la parole et les traits caractéristiques de ceux qui ont reçu la parole. Parce que l'église de Thessalonique est présentée comme un modèle des gens qui ont reçu la parole d'une certaine manière et qui avaient cru. Qu'est-ce qui caractérise la parole qu'ils ont écoutée? Et qu'est-ce qui caractérise leur engagement? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, on note, on lit une phrase, on écrit ce qu'on a compris ensemble. Reprends le premier verset. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Qu'est-ce qui vous frappe ici? Parce que Paul signe, il salue les églises souvent, il se présente. Mais qu'est-ce qui est particulier ici? L'Église est en Dieu. C'est-à-dire que c'est visible. L'Église est en Dieu et l'Église est en Jésus. Vous voyez une salutation? C'est-à-dire que quand ça marche, on sait que ces gens-là ont cru. Ce n'est plus un témoignage individuel, c'est collectif. On peut dire qu'une ville est une ville des barbares. Et on peut dire qu'une ville est une ville des croyants, des hommes vertueux. L'église de Thessalonique est en Dieu, enracinée en Dieu et en Christ. Deuxième verset.
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Qu'est-ce qui caractérise ce passage? Oui. Les actions de grâce à leur sujet. Et des prières même aussi pour leur progrès. On rend grâce et on fait mention d'eux dans les prières. C'est-à-dire un tel peuple attire la faveur. C'est-à-dire que quand vous priez, vous pensez à eux seulement. On est fier d'être des leurs. On est content. Quand on pense à eux, on n'a pas peur. On n'est pas effrayé par leur allure. On se dit, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils sont là? Frère, il y a des gens. Quand tu es un disciple, tu tranquillises le cœur des gens. Les gens n'ont pas peur de toi. Ils ne savent pas si tu es là ou si tu n'es pas là. Vous savez, la conquête est comme, c'est une famille. On te donne la caisse. On dit, toi, tu veilles sur telle plantation. Toi, tu portes telle caisse. Toi, tu gardes. Après, tu deviens dangereux. Les gens ne savent plus où tu amènes les biens de la famille. Ils ont peur. La conquête est une réalité. Quand Jésus dit que nous sommes frères et sœurs, là, c'est vrai. Nous ne sommes pas des politiciens. C'est vrai. On peut te prendre, comme le frère Jean nous a pris, il envoie dans une nation. Il prend ses livres, il te donne. Il prend son argent, il te donne. Maintenant, si il ne sait plus où tu entres, où tu sors, c'est dangereux. Faisant mention de vous dans nos prières. Continue. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu, notre Père. Qu'est-ce qui ressort ici? Oui? Non, il n'y a pas la foi. Non, relis bien. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Ok, donc tu reprends, vas-y. L'œuvre de notre foi, non, l'œuvre de leur foi. Vous notez, hein, l'œuvre de leur foi ne court pas, il faut, parce qu'on est en train de noter. Le travail de leur amour. Continue. La fermeté de leur espérance. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils sont inébranlables. Continue. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alléluia. C'est-à-dire que les apôtres, les autres ministres de l'œuvre, sont convaincus que les Thessaloniciens ont été élus. C'est-à-dire que ce qui se passe dans leur vie est une preuve authentique que Dieu les a élus. C'est visible. On ne se pose pas de questions à leur sujet. On les connaît, on les comprend, on les voit. Et on sait que ceci-là, la grâce de Dieu est avec eux. Il y a des assemblées, quand tu arrives, tu sens la gloire.
même quand on dit qu'on ne sent pas Dieu, mais tu sens que quelque chose t'envahit et que ça te fait craindre Dieu. Vous êtes, il dit, nous savons, frères bien-aimés du Dieu, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Je vous dis la vérité, même parmi nous, il y a des gens à qui on peut dire, frères, vous avez été élus. Pourquoi? Parce qu'on voit. On entend. Quand on va souvent à l'intérieur, quand on écoute les témoignages, quand tu écoutes les témoignages, tu sens que Dieu est avec ceci. Quand quelqu'un te dit, je me masturbais 7 fois par jour, je laissais les enfants en classe pour aller me masturber d'abord et revenir enseigner. Après, tu dis que Jésus m'a délivré. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Alléluia. Dieu est avec eux. L'apôtre montre ici que l'évangile qui leur a été prêché avec la puissance. Avec puissance. Et avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, avec sainteté. Avec pleine persuasion. Avec une pleine persuasion. Il est sûr de la qualité de l'évangile qu'il leur a prêché. C'est le Saint-Esprit qui fait que Paul parle. Vous savez, ces choses-là, Dieu veut nous enseigner. Ce n'était pas le hasard qu'ils connaissent Dieu. Ils sont fermes dans la foi. Ils sont fermes dans la foi. La fermeté de leur espérance. Ils sont remplis d'amour. Ils travaillent, le travail, l'œuvre de leur amour, l'œuvre de leur foi. Le travail de leur foi. Ce n'était pas, ce n'est pas de ex nihilo, c'est-à-dire ce n'est pas à partir du nul, de zéro. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que ton nom soit exalté. Seigneur, tu nous as enseigné et tu es en train de nous instruire. Le bon témoignage, la qualité de l'œuvre, la qualité des frères de Thessalonique n'est pas due au hasard. C'est à cause de la qualité de l'évangile qui leur a été prêché. Seigneur, tu nous as instruit, tu as dit qu'on est disciples. Et pour cela, il nous faut prêcher l'évangile. Sans nous compromettre avec tous les éléments. Seigneur, je m'inscris à cette école. Et je te bénis pleinement. Et je prie que nos cœurs, en tant que prédicateurs, soient ouverts. Afin que nous puissions prêcher avec puissance. Nous désirons des bons disciples, nous désirons des bonnes églises implantées. Mais le secret, c'est de prêcher avec puissance. Avec pleine persuasion, avec la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce, je te bénis de ce que tu nous as appelé en ce lieu, afin que nous aussi que tu as établi, Seigneur, nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, transformé, rempli du Saint-Esprit de sa puissance, afin que nos prédications soient remplies de puissance pour produire des enfants qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, des hommes qui vont satisfaire le cœur des dirigeants. Reçois la gloire, reçois l'exaltation, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, tu nous montres clairement que la prédication de l'Évangile ne te fait pas au hasard, que cette prédication se fait avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Seigneur, nous prions que cela soit inscrit dans le cœur de chaque missionnaire avec des langues indélébiles, de sorte que nous puissions travailler ainsi, que notre prédication soit selon ce modèle, afin de produire des disciples, des hommes qui seront des hommes de Dieu,
des hommes d'état spirituel que tous pourront reconnaître qu'ils ont Jésus, qu'ils ont Dieu, qu'on pourra reconnaître que cette assemblée est de Dieu. Dieu se trouve dans cette assemblée parce que les frères qui y demeurent ont reçu l'évangile avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Seigneur, donne-nous de produire de telles églises, de telles assemblées dans l'église de Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, l'église de Thessalonique était une église de qualité. Une église qui tranquillisait le cœur de son dirigeant. Une église modèle dont tu as rendu témoignage toi-même. Oh, notre Dieu, merci de nous révéler leur secret. Le secret, c'est l'évangile qu'ils ont reçu. De façon authentique, dans toute la plénitude du Saint-Esprit. Oh, notre Dieu, tu nous montres le secret pour accoucher des disciples de qualité, pour accoucher des brebis de qualité, pour implanter des églises de qualité, des assemblées de qualité. Père, je prie que dans ta grâce, tu nous aides. Afin que ce modèle soit imprimé dans notre esprit. Que ce modèle ne nous quitte jamais, Seigneur. Afin que cesse la complaisance, oh notre Dieu. Afin que nous revenions à ce type de message pendant que nous sommes en train de revenir à la formation des disciples. Père, nous te supplions. Aide-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Continue. Verset 6. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous remarquez? On appelle ça comment, oui? Les disciples. Ils étaient des disciples. Une manière de dire, c'est qu'ils sont des disciples. Ils sont nés, c'est des bons produits. Alléluia. Ils n'ont pas dit imitez-nous. Ils ont prêché l'évangile avec puissance, avec autorité, avec une pleine persuasion. Ils contraignaient les gens à obéir, à laisser le péché, à abandonner les idoles. On ne les suivait pas comme ça. Les gens convaincus, ils prêchaient de telle sorte que le pécheur était convaincu. Ils ne prêchaient pas avec hésitation, comme s'il y avait des possibilités. Ça produit, ça accouche des géants en même temps. On dit ils sont l'église qui est de Dieu et en, il est en Christ, en Dieu et en Christ. Quand nous diluons pour gagner les gens hésitants, on ne gagne rien finalement. On ne gagne rien. D'abord, tu perds la puissance. Dès que tu diminues, tu perds la puissance. Je m'en vais enterrer mon père. Tu dis non. J'ai beaucoup de richesses, je vais te suivre. Il dit non, va vendre tout ça, tu viens. Et puis, il disparaît. Tu es béni parce que tu n'as pas une charge inutile. Mais celui qui va te suivre devient pour toi une grande bénédiction. Comme la sœur Huguette. Viens rendre témoignage. Parce que les gens te voient avec la photo là, ils pensent que tu es né avec la photo en main. Que tu es une petite main attrapée, un jouet. Jouer des caméras. Je suis née en Christ en 2006. Mais bien avant cela, j'étais dans les dénominations, à l'église méthodiste. Et quand, pour parler de ce que le pasteur vient de dire, quand je suis venue, c'est lui qui m'a prêché l'évangile avec tendresse. Amen. Maintenant, je partais à l'église méthodiste. Et je faisais des va-et-vient. Je faisais des va-et-vient parce que la forme à l'église méthodiste me plaisait. Les édifices, l'organisation.
mais je n'aimais pas la parole là-bas. Donc, je viens à la CMCI pour écouter la parole et puis je vais là-bas. Donc, un jour, il m'a croisé dans la cour à Kumasi. Le centre était là-bas à l'époque. Il m'a demandé, ça va? J'ai dit oui. Il dit, mais quand est-ce que tu t'engages? J'ai dit, je vais venir. Il dit, on ne se promène pas ici. C'est le pasteur Meunier. Donc, je disais que il m'a prêché l'évangile avec tendresse. Parce que c'était mon patron, le proviseur, le frère Barnabé à l'époque. C'est lui qui m'avait mis en contact avec lui. Donc, il m'a prêché tendrement, avec respect, l'évangile. Maintenant qu'il voit que je fais volte-face, je m'amuse là. Donc, quand il m'a vu, il dit, ici, on ne s'amuse pas. Ou vous restez ici, on vous bâtit comme disciple, ou vous restez là d'où vous venez. Et puis, dans mon cœur, il dit, lui, il ne met pas le mal, hein. Avec le moi sur le trône. Il dit, en tout cas, j'étais choquée. Donc, je suis partie. Il m'a revue dans la cour. Il dit, bon, je t'invite à San Pedro. Il m'a donné 10 000. Frère, je confesse que j'ai accepté les 10 000 parce que je voulais aller voir San Pedro. Je ne connaissais pas là-bas, il partait en tourisme. Donc j'ai pris les 10 000. Arrivé là-bas, il a prêché sur l'action du Saint-Esprit. Et c'est là que je me suis donné. Alléluia! Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Qui veut qu'elle ajoute encore? Oh, tu as vu? Quel aspect? Oui, les frères attendent. Qu'est-ce que tu fais ici avec la photo? Amen, amen. Alors? On te paye combien? Parce que. Gloire à Dieu. Pour dire tout ça, ceux qui veulent le travail peuvent aussi. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais que la teneur de la parole me plaisait beaucoup, je me suis acheté une caméra avec le frère Prince à l'époque à 150 000. Donc, je dis la façon dont la parole de Dieu est dense dans cette église-là, je vais commencer à filmer et je vais garder les enseignements comme un patrimoine personnel. Et j'ai commencé à suivre le pasteur Meunier. Je filme, je vais dans un studio privé, j'enregistre, je garde. Alléluia. Et un jour, j'ai fait un songe prophétique. J'étais avec le frère Zach dans une limousine, les longues voitures. Et puis, il est sorti de sa voiture, il est venu vers moi. Il dit, sois la secrétaire du pasteur Meunier. Quand il m'a dit ça, comme toujours le cœur, il dit, moi, secrétaire. Alléluia. Frère, je suis professeur certifié de français dans les lycées et collèges. Donc, il dit, moi, professeur de français. Il dit, tu auras le double de ce que tu gagnes. Il dit, bon, je suis d'accord. Alléluia. Jésus. Ça, c'est une confession. Parce que quand tu es vrai avec Dieu, t'envoies loin. Donc, il a ouvert la limousine, je suis montée dedans et la limousine a volé comme un avion. Mais en bas, c'était les herbes, les marécages, la boue. Donc, la limousine a volé comme un avion et puis on a atterri en Côte d'Ivoire et les frères nous accueillaient. J'ai vu dans la sœur Sita, alléluia, nous a fait asseoir. J'ai vu le pasteur Meunier et puis paf, c'est fini. Après, je vois que maintenant, je filme, je le suis partout en Côte d'Ivoire. Je vais dans un studio privé, j'enregistre les vidéos. Parce que je ne savais pas faire tout ce que je fais maintenant. Là. Donc, je louais les services d'un jeune homme, là, Konaté. Donc, quand il finit, je mets ça sur les CD. Un jour, le pasteur m'a approché et dit, bon, tu vas faire l'école. Parce que c'est ce que tu fais là, c'est sur le tas. Tu vas aller maintenant à l'école. Il faut aller à l'école. Hein. J'ai dit oui. Puis, il a payé mes études à l'ISTC. Mes frères, quand tu es appelé par Dieu, tu reçois intuitivement une formation qui vient du trône de Dieu. Je peux être en train de filmer ou bien faire un montage. Dieu me parle, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais filmer, je sais mettre les voix, je sais faire les photos. Vraiment, tout ce qui est concernant les médias, je sais le faire par la grâce de Dieu et par la fermeté de l'homme dont je suis le disciple, le pasteur Meunier Boniface. Aujourd'hui, j'en suis là. Alléluia.
Jésus. Et frère, cette année, je vais fêter mes 55 ans. Alléluia. Acclamation. Donc, on n'a pas besoin de pour servir Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci pour ce modèle de disciple. Merci pour ce modèle. Merci pour ce modèle. Je prie que de telles sœurs s'élèvent au milieu de nous, sur nos champs de mission, pour être notre Dieu des modèles. Parce que je sais que beaucoup ont été appelés. Je prie qu'il y ait des personnes qui l'imitent, comme elle a suivi le pasteur Meunier. Je prie que ceux qui étaient encore hésitants dans nos assemblées, dans nos églises, se radicalisent, deviennent des disciples. Au nom de Jésus. Et acceptent à quitter les dénominations à nous suivre. Ou acceptent à servir auprès d'un dirigeant, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner ce modèle de disciples. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'avoue que je suis impressionné et puis je suis touché. Il faut dire que quand je partais enseigner à son domicile à Kumasi, j'enseignais sa mère à l'alphabétisation. Et c'est elle qui a été l'actrice, c'est-à-dire que Dieu a utilisé pour qu'aujourd'hui soit mission. Jésus-Christ. Elle avait encouragé le pasteur, notre leader, notre père, à nous tous, qu'il peut être bon pour la mission. Parce que moi, plus tard, Dieu a permis que j'aie la mission. Je voulais dire quelque chose parce que c'est vrai que c'est ma cousine, ma même temps ma soeur en Christ. J'ai vécu un peu avec elle. Elle fait des témoignages. J'ai vu de mes yeux parce que, à cette époque, quand on venait ici à Abidjan, pour les rencontres, c'est chez elle que je dormais. J'ai dormi chez elle pendant des années. Alléluia. Et donc, je savais comment elle a commencé. Et ça m'a beaucoup édifié le début et bien de son commencement. J'étais là quand elle veillait souvent sur l'ordinateur. Mais elle a sauté une chose. Elle n'avait pas de salaire. Elle n'avait pas de salaire. C'est ça, en fait, je voulais un peu dire. Quelquefois, elle me partage, elle me dit, frère Romain, prie pour moi. Moi, je dis, je suis très émerveillé, très content parce que l'œuvre a permis qu'elle ait aujourd'hui tous ses instruments pour que nous puissions avoir aujourd'hui même la RTVC, puisque c'est sur elle que tout a commencé. J'ai voulu un peu dire ça pour encourager nos frères et nos sœurs qui ont certainement des talents, mais qui attendent d'abord un salaire. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te bénissons. Merci pour notre sœur Huguette. Merci, Seigneur, pour le modèle, le sujet qui est devant nous. Que ce soit pour nous, ô Dieu, un exemple à pouvoir témoigner à nos frères, à nos sœurs, pour que, Seigneur, chacun sache qu'en venant, on ne vient d'abord pas à la requête d'un salaire. On vient pour servir comme serviteur. Notre salaire se trouve entre les mains de celui qui nous envoie. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit qu'il a dit, tu auras le double de ce que tu gagnes comme salaire en tant que fonctionnaire. Et puis c'est ce qui m'a galvanisé au départ. Au fil du temps, effectivement, j'ai été bénie. De ma vie jusqu'à ce que je sois professeur de lycée, je n'avais jamais emprunté d'avion. C'est dans le Leuve que j'ai emprunté l'avion pour la première fois. Jésus-Christ. Alléluia. En fait, j'étais avec le pasteur Meunier et à l'époque, il n'avait pas de voiture. On faisait les tournées dans les bacas. Après, nous avons eu une fourgonnette. À l'étranger, on partait en voiture. Après, les anciens ont estimé qu'il fallait maintenant qu'il emprunte un avion. Mais moi, je passais par la route pour le rejoindre en mission à l'étranger. Un jour, j'ai fait un songe. Avant que j'emprunte l'avion, je me suis retrouvée, l'esprit m'a envoyée à l'aéroport.
Il dit, regarde, pour l'instant, tu vas en voiture, mais tu vas emprunter l'avion pour aller avec le pasteur Minier. Et ça n'a pas duré. La première mission, c'était au Cameroun. Dans le même temps, au Togo. Après, on est reparti au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, même, j'avoue que je fuis même l'avion. Amen. Ce sont mes vaillants hommes que je fais partie. Et donc, la bénédiction, le double, il y a cet aspect. Deuxième aspect, j'ai eu l'école. Dans mon CV, il se trouve que je suis passée dans une école de communication. Et l'Église a été très reconnaissante à travers le pasteur Meunier en me donnant une allocation. Frère, les 3 années à l'ISTC, ça coûtait 5 millions à l'Église. La scolarité, ça me rend 700 000, mais l'Église me donnait 50 000 par mois. Quand vous calculez, ça fait environ 1,5 million. Quand l'Église investit comme ça, tu ne joues pas. Autre bénédiction, 2018, il y a eu le renversement des principautés ici. C'était l'apothéose du renversement. Frère, j'ai fait 7 mois à l'Église sans aller chez moi. J'avais une nièce qui vivait seule là-bas. Le travail était énorme et nous n'étions pas nombreux. Le pasteur m'a donné, après ça, le pasteur m'a donné une chambre où je dois me reposer et venir travailler. Frère, je suis épanouie. Tout mon âme, mon esprit, mon corps est dans le travail de Dieu auprès de son serviteur. Donc, je suis bénie. Alléluia. Frère, le Seigneur, comme il a dit que je recevrais le double, je l'ai reçu. Et je suis épanouie. Alléluia. Une femme de 55 ans qui est debout, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Seigneur, merci beaucoup pour notre sœur Huguette, qui est un don, Seigneur, pour notre œuvre. Merci pour la qualité même de l'évangile que le pasteur a donné à cette sœur. Non seulement avec beaucoup de tendresse, Seigneur, mais avec beaucoup de vérité, qui ont permis à notre sœur de s'asseoir et de contempler aujourd'hui ta gloire. Merci, Seigneur, pour cette sœur, dans ses débuts, qui investissait, Seigneur, dans sa passion de la communication, son argent, Seigneur. Oh, notre Père, merci parce que tu nous as aimés en nous donnant des personnes de qualité pour la promotion, pour l'évolution, Seigneur, de notre œuvre. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu nous ramènes à la radicalité de l'Évangile, Seigneur, afin que cela produise des disciples de qualité, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à être un modèle pour l'Église. Merci infiniment, Seigneur. Parce que nous aussi, Seigneur, nous partons, Seigneur, dans cette vision, Seigneur, afin de donner un repos total aux dirigeants, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.